Bonsoir à tous. En ce 23 mai, nous sommes toujours dans une grande incertitude en raison de la pandémie du Covid-19. Pendant combien de temps le virus va-t-il encore circuler Ne nous faudra-t-il pas collectivement ou personnellement passer de nouveau par une phase de, de, de confinement Quand et à combien pourrons-nous nous rassembler dans les églises À vrai dire, l'incertitude que nous connaissons aujourd'hui avec la crise sanitaire, elle est le lot quotidien de toutes les personnes que nous rencontrons au Secours catholique et qui se demandent ce qu'elles vont devenir le lendemain, les jours suivants, à l'avenir. À travers notre accueil, notre écoute, notre accompagnement, les ateliers que nous proposons, nos lieux étant conviviaux, nous leur permettons de se sentir reconnus, nous réveillons en elles un espoir nous ouvrons avec elle un avenir meilleur. Entre Ascension et Pentecôte, nous sommes comme confinés au Cénacle avec Marie, dans l'attente du don de l'Esprit Saint. C'est cet Esprit que nous demandons au Père dans notre prière, pour qu'il nous éclaire sur ce que nous vivons, pour qu'il nous apporte la paix, pour qu'il nous aide à trouver comment, aujourd'hui et demain, aller vers les autres, aller vers. Une démarche importante pour le secours catholique et aussi pour chacun de nous. Ce soir, avec vous tous, entrons dans la prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et maintenant, prions le Seigneur. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils promis aux apôtres l'Esprit Saint. Ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Et maintenant, acclamons le Seigneur pour sa bonne nouvelle. Alléluia, Alléluia. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. Alléluia. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Bon, toi, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, Amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. En disant cela, je vous ai parlé en image. L'heure vient où je vous parlerai sans image, et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Demandez et vous recevrez. Est-ce que cette parole peut trouver un écho dans notre expérience personnelle de la prière Est-ce qu'elle peut trouver un écho d'abord dans notre expérience humaine. Par exemple, est-ce qu'une personne qui frappe à la porte du secours catholique reçoit ce qu'elle demande Si la première demande est une demande d'aide matérielle ou financière, ce n'est pas d'abord ce que la personne va recevoir, mais au secours catholique, nous essayons de faire en sorte que la personne qui demande reçoive quelque chose qui lui sera utile à long terme. Un accueil, une écoute, un respect, une confiance, un accompagnement, une vie fraternelle, c'est-à-dire tout ce qui permet de retrouver la confiance en soi et le pouvoir d'agir. Cette expérience que nous vivons au Secours catholique, nous croyons qu'elle peut nous aider tous. Nous ne recevons pas ce que nous demandons, nous recevons autre chose qui, finalement, peut nous être plus utile. N'en est-il pas ainsi de notre prière nous demandons quelque chose à Dieu, nous avons l'impression souvent qu'il ne répond pas à notre demande, mais ce que nous recevons de lui porte finalement plus de fruits à long terme, parce que nous nous rappelons ce qu'il est toujours prêt à nous donner d'après l'évangile de Saint Luc, l'Esprit Saint. Dans l'évangile de Saint Luc, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. L'Esprit Saint qui nous est promis, il est déjà en nous, il agit déjà, et pas seulement chez les croyants. C'est lui qui, pendant le confinement, a fait chercher et trouver des nouveaux moyens de rester en lien les uns avec les autres, qui nous a fait garder le souci des personnes en précarité, qui a maintenu vive notre foi alors que nous ne pouvions plus la nourrir à travers le rassemblement communautaire et l'Eucharistie. Cet Esprit Saint qui est déjà présent en nous, nous avons toujours à le demander pour nous et pour les autres, pour qu'il nous fasse redémarrer autrement notre vie d'après-confinement et qu'ainsi l'après ne soit pas comme avant, pour que dans la ligne de Laodate aussi, nous sachions écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres, pour qu'il rende plus vive notre foi et nous stimule dans le témoignage que nous avons à rendre au Christ demandez et vous recevrez, nous dit jésus aujourd'hui. demander, c'est reconnaître que nous avons besoin des autres. mais, d'après notre expérience au secours catholique, nous constatons que c'est aussi en, en, en demandant aux personnes en précarité de collaborer à leur reprise en main, tout autant qu'à l'animation des temps conviviaux, c'est de cette manière-là que nous leur permettons de développer leur pouvoir d'agir. Demander à Dieu son esprit, c'est manifester que nous avons besoin de lui pour qu'il continue à nous transformer. À une semaine de la Pentecôte, demandons ou redemandons à Dieu son esprit pour nous et pour tous ceux que nous rencontrons. Pendant tout ce temps entre Pâques et Pentecôte, nous invoquons l'Esprit Saint et nous prions à partir du chant traditionnel du Veni Creator, ce chant qui nous fait invoquer l'Esprit qui rassemble. Viens Esprit Créateur, fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Esprit Saint, fais-nous voir le visage du Très-Haut. Ouvre-nous à l'amour du Père pour tous les hommes et pour chacun. Fais-nous témoigner de cet amour auprès de tous ceux que nous rencontrons, à commencer par les plus petits. Esprit Saint, révèle-nous le visage du Fils. Ouvre-nous à la charité en acte du Christ présente dans toutes ses rencontres, dans sa parole de vérité, dans le don qu'il fait de sa vie pour le bien de l'humanité. Esprit Saint, souffle d'unité au sein de Dieu, ouvre-nous à la rencontre de celui qui est différent de nous et fais-nous percevoir les différences comme des richesses. Avec le psaume 26, un psaume d'espérance, prions maintenant pour ceux qui meurent, prions avec leurs proches, prions pour et avec les soignants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Écoute, Seigneur. Je t'appelle. Pitié, réponds-moi. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. pour les défunts, pour les malades, pour ceux qui les soignent. Ensemble faisons monter vers Dieu notre prière commune. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et, et ne nous, nous laisse pas, pas entrer en tentation, en tentation mais délivre-nous du, du mal. Écoutons maintenant la prière de notre archevêque. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux, ceux et celles qui meurent en séjour, parfois très seuls, malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches, qui ne peuvent célébrer les funérailles à la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle. Intérieur. Vient apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte la paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte la joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière. Qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité. Pour participer à la vie du monde et y porter la lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur, nos frères et nos sœurs catéchumènes, qu'ils vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême avec paix et espérance, que le jour venu il nous aide à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu, plus fort que la mort. Amen. Pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu, je vous donne sa bénédiction. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En ce mois de Marie, nous vous proposons de prier Marie avec la prière utilisée au sanctuaire marial de notre diocèse Nevisy. Si vous avez chez vous une représentation de Marie, vous pouvez vous tourner vers elle. Marie, tu nous montres ton Fils qui a vaincu la mort, comme un soleil nouveau chassant la nuit profonde. Par nos gestes d'amour, il ressuscite encore, il sort de nos tombeaux pour éclairer le monde. Celui qui vient de Dieu et que tu as porté, Jésus, notre Sauveur, est monté vers son Père. Il nous précède tous. Il est le premier-né d'un peuple de vivants entrant dans la lumière. Sur tes amis fidèles près de toi réunis, l'Esprit vint comme un feu le jour de Pentecôte. Tu appelles et rassembles en Église aujourd'hui les hommes au cœur ouvert pour en faire des apôtres.